Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'un mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital. Et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Voilà, prenons soin de nous et nous nous voyons, comme on le dit souvent. Nous sommes vendredi, bienvenue à vous chers amis téléspectateurs. C'est toujours une belle grâce, un grand grand plaisir d'être en votre compagnie. Et pour ce matin, j'ai vraiment envie de partager ce test avec vous qui dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. » Engage tes pas dans une direction sûre, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Cela nous enseigne en tout cas à toujours avoir un regard sur notre cœur parce que c'est de là que tout vient, l'envie, la jalousie, la générosité, le bonheur, la bonté et toutes les autres choses qui peuvent s'en suivre. Pour ce vendredi, toute la famille est là sur le plateau. On va démarrer avec celle-là qui désormais vous manque 2 jours par semaine, hein, je crois. C'est ça? Oui. Mardi et jeudi. Ouais. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour, bonjour à tous. Je vais bien. Soyez toujours branchés. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons encore plein de surprises à partager avec vous. Merci. Voilà. Ademé, Fétri, Azindesi. Oui, qu'est-ce que tu préfères? Non, on veut savoir ce que tu as préparé hier. Vu que sous la menace, tu n'as rien dit hier. Non, à part le fait que tu voulais poser ta voix. À m'occuper de solo. D'accord. Tu as intérêt. Bonjour, Mister Elias. Ah, bonjour, Aïcha. Bonjour, plateau. Bonjour, téléspectatrices et téléspectateurs. C'est vrai que c'est vendredi et comme je le dis d'habitude, vendredi, je suis un peu triste, même si je sais qu'il y a un programme alléchant pour vous, téléspectateurs. Ça fait 2 jours qu'on ne se verra pas. Alors, on se reverra lundi, c'est clair. Voilà. Mettez-vous bien, installez-vous surtout. On va décoller. C'est pour toi que j'ai lu le test là. Faut arrêter de mentir. Je t'entends les vendredis en général parce que tu sais que tu ne vas pas te réveiller samedi matin tôt. Arrête de mentir. Je ne t'ai pas éduqué comme ça. Donc dis, regarde ta caméra, dis je mentais. Non, je ne mentais pas. Je ne peux pas dire ça. Je ne mentais pas. J'étais sincère. J'étais sincère. Mm. 2 jours sans eux, c'est énorme. En fait, 2 jours sans chasser pour lui, c'est vraiment énorme. Oh, coup, pas ce verbe ici. Agouvia, hier j'ai eu plein de personnes, mais non, mais franchement, c'est elle qui a parlé du consommer local, comment est-ce qu'elle peut ne pas, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, je vais me taire.
ne rien dire même, et la laisser soit se défendre, soit s'enfoncer. Bonjour José. Bonjour Aïcha. Waouh. Yeah. Non mais là, tu te défends. Hein. Là, ce matin, je vais saluer nos téléspectateurs dans ma langue. Ok. Ouais, tu commences bien. Ndina mi fonya. Ok, nche me fo. Mi gavado. Mi vavina mi aga na vendredi a eja gano toheta. Mi. Vendredi, ok. Le ok. Le filage que tu as mis vendredi là, c'est passé. Vendredi est là notre toheta. Vendredi, ok, là c'est. Vendredi, c'est filage. Oh! Vendredi est là notre toheta. J'ai quand même essayé. J'ai quand même essayé. Oh! Ok, le local. Quelle honte! C'est une vraie honte, sincèrement parlant. Il n'y a rien d'autre à dire. Prenez ça comme ça. Elle est. Je ne suis pas quand même la seule. Vous êtes sûr, Naïda, est-ce que tu peux parler? Non, mais on peut parler. On assume. Ouais. Lundi, on va faire ce challenge-là. Pas de problème, je suis preneur. Là, j'irai bien m'entraîner. Moi, je n'ai pas besoin d'entraînement, ça vient naturellement. En tout cas, merci à vous d'être toujours en notre compagnie. Et c'est vendredi, on a de bonnes choses pour vous. C'est bien parce que tu as des réactions. Filagbe, pourquoi ils vont se moquer de nous, hein? Ça commence bien, l'histoire, je dis. Voilà. Enfin, franchement, j'allais pleurer quand 7h, je n'ai pas vu écrit Nectar. Et la personne a envoyé le message à 6h39. Donc, elle renvoie maintenant à 6h41 pour dire, enfin, plutôt à 6h34. C'est ça, j'allais dire votre montre. Bonjour le plateau nectarien, vous souhaitez une très bonne émission et merci aussi pour le bonheur que vous nous donnez chaque matin. Chimène depuis Agoué confirme. Gros bisous Chimène et on vous demande de rester avec nous pour cette matinée. En tout cas, on espère que vous allez beaucoup apprécier. Bon, d'accord. Le buzz donc de Nectar ce matin sera la malheureuse introduction de José parce que ça pleut. Wow. Et vendredi, dis vendredi dans ta langue. Ciao, Fidagbe. Ça commence bien pour toi, je te l'ai. Wow. S'il te plaît, vendredi, c'est dans ta langue. Arrêtez de vous moquer de José. Parlez-vous aussi vos langues. Merci. Aujourd'hui, c'est José qui a l'honneur. Hein. Donc, tout le mois d'octobre, c'est José, la go locale, qui est à l'honneur. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Aïe, Maï Chompei, tu es remonté. Tu le sais. Je le sais. Tu es coté désormais en bourse. Là, c'est chaud. Hein? Laissez-moi vous dire que grâce à Naïda, en tout cas, mais par contre, après le message que on sait, c'est vers 1h, 2h. Voilà. 1h du matin. 1h du matin. Officiellement, je le décrète aujourd'hui. Je sursois à mes activités chocolatées. Sérieux? Non, sérieux. On veut comprendre. Hein. On veut comprendre. J'ai décidé de me mettre au régime. Donc, c'était le dernier morceau. Donc, tu ne crois, c'est toi, José. Tu parles de chocolat. Je voulais t'offrir. C'est vrai que tu parles. Comment ça, c'est l'après-midi. Comment dit chocolat dans ta langue? Sors ta lettre. Fais vite, on a une autre question. Bon ben voilà, bonjour à vous équipe de Nectar. Ce matin, juste pour vous dire que vous êtes tous trop beaux de la part d'Achille depuis merci. Bamako. Allez, son Goma. Au moins, merci, nous, on parle Achille. D'autres langues. Toi, le balcon dit merci dans ta langue. Ah oui. D'accord. Ça, au moins, je connais. Ça, au moins, tu connais. Donc, ma Naïda chou Akwe Kaka. Bonjour chers téléspectateurs, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être encore là ce matin, de vous donner de la joie parce que vous nous en donnez beaucoup de joie. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et j'aimerais savoir comment on appelle chocolat en Mina. Justement, on a posé la question à José SFA, mais peut-être que vous savez comment on appelle chocolat en Mina. Et on attend vos réactions. Par contre, si vous trouvez un Mina, je pourrais commander un Mina. Hey ah, je ne sursoirai donc plus à mes activités. Oh là là. Ok, donc restez avec nous. Tout à l'heure, ça va
décoller. Bonjour à vous, la plateforme. Juste pour dire que désormais, Naïda n'ira plus en Côte d'Ivoire. Dites-le à votre gars là. Naïda, tu es désormais conquise pour la Guinée. Ouais. Laquelle des Guinées? Il y a Guinée et Guinée. Ouais. Il y a une Guinée qui est, il y a l'autre qui est. Donc, Guinée. Dites-nous laquelle des Guinées, je vous Guinée. En prie. Et on a salué la plateforme nectarienne. Oh, merci beaucoup. Mon chapeau là cache beaucoup de secrets. Je pourrais dire ça comme ça. Il dit j'aime bien ton chapeau là, hein. Voilà, Pierre Djachou depuis notre chien. C'est un chapeau cacheur. Beaucoup de secrets. En tant que femme, on se comprend. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, tu es mauvaise, Sandra. Voilà, Maïra Oda, ce sera le titre avec lequel on va vous bénir ce matin pour vous dire que Dieu est encore et toujours avec vous si vous y croyez. Et c'est la belle Nora Ashley avec sa sublimissime voix qui vous l'offre. Oh,
également une petite dédicace pour toute l'équipe technique là-haut avec notre très cher Melki Chou qui gère quelqu'un qui est un vrai chrétien qui lit la Bible. M'a demandé si Melka était un diminutif de Melchisedec. Donc Melka, si toi-même tu connais Melchisedec, d'abord la faut le dire. Si tu ne connais pas, faut me demander, je vais t'expliquer. Après tu répondras directement sur mon portable et puis je répondrai aux téléspectateurs. Voilà. Avant cela, d'autres messages qui sont là qui disent « Bonjour, bon début de week-end, surtout à mon chou Elias, de la part de Delali depuis Baguida. » Belle mère ici. Qui vous souhaite un bon mois de la consommation locale. La belle-mère. Oui. C'est toi, non? Oui. En fait, c'est nous deux. Non. Je l'ai renié il y a longtemps. Ah bon? Ah, ok. Bonjour, Nectar. Deuxième maman. Bonjour Nectar, juste pour vous souhaiter un bon début de week-end et que Dieu nous garde tous. Amen. Bonne émission à vous, José. Tu es très belle ce matin. Timothée Agbassa depuis à Blogamère. Ah. Timothée. Merci, Timothée. Nous, on a laissé. Timothée a pris. Mais franchement, le gars, là, il est pas bien. Elias, tu aimes quoi tous dimanche matin? Alors, bonjour à vous. Et puis, sur moi. Comment Naïda fait pour être si fraîche chaque matin? Dis-moi, s'il te plaît, pardon. Elle s'arrose d'eau. Je vais vous dire comment elle fait. Naïda a bon cœur. C'est la seule qui est bon cœur. Non, mais c'est son bon cœur qui rejaillit sur elle. Mmh. Voilà. Alors, bonjour le plateau, Nectar. Merci pour la joie que vous me donnez de Cynthia d'Aguelogopé. Merci beaucoup à vous et bonjour. Vous êtes tous mignons et mignonnes de la part de Benoît depuis Djaglé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Tout à l'heure, on a lu un message donc qui nous venait de la Guinée. Et qui disait que Naïda désormais irait là-bas. On ne sait pas encore si c'est la Guinée qu'on a créée ou bien équatoriale. Mais en tout cas, une chose est sûre, on a... C'est depuis la Côte d'Ivoire. Pointage d'aujourd'hui là est devenu campagne d'élection avant d'être élu. Tu vas dépenser donc mon frère de la Guinée. Apprête-toi. Hein. Voilà, j'ai lu le message. Je reprends. Oui, reprends. Pointage d'aujourd'hui. Naïda, lève la tête, tu es là. Pointage d'aujourd'hui est devenu campagne d'élection avant d'être élu. Et maintenant, à vous qui avez envoyé le message depuis la Guinée, il dit, tu vas donc dépenser, mon frère de la Guinée. Apprête-toi. Voilà. Le message est passé. Le message est très bien passé. Et on a... Ah, mais vous avez envoyé un vocal et vous dites, il faut me répondre, je vous aime très beaucoup. On ne peut pas écouter le vocal, malheureusement. Mais on salue parce que c'est un message qui nous vient depuis le Niger. Bonjour les filles et notre unique mec. Ok, félicitations à Tata José. Au moins aujourd'hui, tu nous as salué en éveil. C'est Charlemagne depuis Akepe dans la préfecture de Lavé. Bonne émission à vous. Merci, cher Charlemagne. Et salut le plateau nectarien. Bonne émission à vous. Merci infiniment. On a bonjour Nectar. Bisous à Elias. Vraiment, tu réveilles en moi des envies de te manger tout cru. C'est qui? Attendez, signez. Wow. Signez. Non, attendez. Le chasseur n'est pas revenu. Tu chasses qui? Vendredi. Wow. Tout cru. C'est vrai qu'on est dans le mois de la consommation locale. Local. Il faut manger localement. Ça c'est fort, hein. Wow. Bravo, Elias. Et émotion en plus. Non, toi tu n'applaudis pas bien. Bravo. Oh, merci. Voilà. Merci le public. Pendant que tu rêves de manger Melka toute crue. D'autres rêves de te manger cru. Le chasseur est chassé. Merci. Alors, le message qui dit bonjour le plateau, je suis content ce matin de me connecter avec mon pays depuis Port Harcourt au Nigeria. Merci infiniment. Salut tous ceux qui nous suivent depuis Port Harcourt. Et il y a tellement d'émissions, de messages qu'on ne pourra pas. Alors, bonjour Jean-Marc depuis Kégué. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Et on a bonjour à tous. Je ne pourrais pas gérer. Hein. Alors, quelqu'un, il ne faut pas prendre l'eau. Tu ne sais pas pourquoi on l'a laissé haut. Quand quelqu'un laisse, il ne faut pas prendre. C'est ça qui est vérité. C'est le problème de quelqu'un qui devient la mort de quelqu'un. Donc, ça, c'est notre ami de Côte d'Ivoire toujours qui continue d'envoyer. Je vous en prie. Soyez calme.
sommeil, d'accord. Non, guidi, guidi. Alors, bonjour Nectar, c'est Eric Azimta depuis le Niger. Un coucou spécial à tout le plateau. Merci, merci infiniment. Merci. On vous embrasse aussi. Bonjour le plateau, José. Vraiment, tu es trop belle ce matin. Charlie depuis le Bénin. Ah, oui. Le Bénin, c'est le Bénin. Le Bénin est revenu. Quoi? Merci, Charlie. La voix, La voix est mieux sortie. La voix est différente. Quoi. Non, elle saluait mieux en fond. Elle lui a répé, tout ça. Naïda. Okay. Oui, ton mot du Bénin là. Vas-y, dépêche-toi. Oklou Nogbeloto. Ça veut. Tu vas quand même le diffuser. Rien ne presse en fait avec. D'accord, donc Oklou Nogbeloto, ça veut dire. Dieu est grand, mon Dieu. Ah, hey, Charlie, je sais pas. C'est grand. Charlie, Dieu est grand, voilà. Merci beaucoup, Isabelle de la part depuis Pémé qui vous envoie un gros coucou. Bonjour au plateau. Comme un miel sans nectar, il n'en vaut pas la peine. Une journée sur votre émission n'en vaut pas non plus la peine. Waouh. Wow. Alors succès et bonne journée à vous de la part de Victor Joao depuis Abondant. Merci infiniment à vous. Merci Victor. Bonjour. Merci à vous. À ça, on va être plusieurs à se manger parce que Elias, moi-même, je veux le consommer localement. Donnez-moi juste les deux premières lettres de son quartier. Waouh! Hey. I'm going to be rich. Wow. Donc pour le moment, je crois qu'on va s'intéresser à la pensée du jour. Oui. Sinon, c'est chaud. Trop chaud. Trop chaud. J'en veux se manger. Comment tu vas traverser la frontière? Reste là à parler d'Elias. On va y aller pour la pensée du jour. Alors, tu nous donnes la pensée? Oui. Aujourd'hui, ce sera donc notre chère Naïda qui nous fera le plaisir de nous donner sa pensée, même si je ne sais pas avec tout ce qui se passe. Tes esprits sont... C'est bon? C'est bon. D'accord. Ah, l'autre qui dit je veux manger la... Non, ne faites pas d'appel pour le moment. Laissez, je vais décrocher à la fin de l'émission. Alors, notre pensée de ce vendredi, c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Elle est de Zig Ziglar. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. De Zig Ziglar. Ça fait beaucoup de A quand même et de mots qui finissent en tude. Alors on a l'attitude, l'aptitude et l'altitude. Voilà. Donc c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. De Zig Ziglar. C'est-à-dire que non, d'habitude on se tourne vers mon cher Elias, mais il est tellement traumatisé ce matin que je ne sais pas trop. Ça va, tu te remets de tes émotions? Je me remets peu à peu. Tu en es encore au une ronron, c'est ça? Non. D'accord. Plein gota. Ayo. Aïkou. Ah donc il dit qu'il faut le déguster avec Ayo, hein, c'est pas moi. C'est bon, on est parti. C'est un... Mais Ayo, c'est plus cru. Alors c'est parti. Ah ouais, oui, Sandy. Elias, je te. Oui. Je te viens. Mmh. Oui. Je pense que c'est une pensée très forte et très large à comprendre. Parce que nous avons trois différents mots. Je ne vais pas jouer à la française ici ou bien au professeur de français, puisque Aïcha est notre prof en français. Et quand nous parlons d'aptitude, l'aptitude c'est la capacité ou la... Bon, je pense que c'est la capacité ou la disposition que l'on a. Quand nous parlons d'aptitude, c'est nos comportements. Nos attitudes parlent de nos comportements et l'altitude parle de nos niveaux ou bien de... Bon, je peux aussi dire que ça fait face à la capacité ou à la force que l'on a peut-être devant chaque situation. C'est ce que j'ai eu comme petite pensée à propos par rapport à la pensée. Et c'est vrai que pour pouvoir bien comprendre cette pensée, il faut comprendre les trois mots. Hein. L'attitude,
l'attitude et l'altitude. Oui. Alors, je viens à toi, mais avant de venir à toi, il y a ce message qui est arrivé et je trouve ça un peu bizarre. Bonjour la famille nectarienne, juste vous faire un coucou à tous sur le plateau. Et bonne émission à vous, spécialement à Tata Sandy. Et puis la personne a envoyé des émoticônes de bisous. Elias, je t'attends ce soir. Façon, elle tombe sur toi, ouya ouya, comme ça là, hein, de la part de Naomi Campbell depuis Aveposo. Non, pourquoi elle dit je t'attends ce soir? C'est pas curieux ça? Oui, c'est une drôle d'attitude. Les aptitudes. Qui déterminera ton altitude. Les aptitudes. Si tu me vois, Naomi, tu me vois. Ah, ok. Ouais. En fait, c'est. Oui. Ah, oui. J'assume. C'est vrai que ça fait un peu. Je sais pas. Ça fait un peu pour penser du jour. je pense qu'il y a Maman Sandra, Tata Sandra qui a dit. Qui a bien résumé, je pense, la pensée. Et puisque on doit jouer d'abord sur les trois mots clés de la pensée pour arriver à comprendre. Même si au même moment, je me pose une question toujours par rapport au côté. C'est attitude. Je vais relire la pensée s'il te plaît, oui, par rapport aussi à la formulation. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Alors si je reviens rien que à l'aptitude, je me demande si c'est pas plus vers le tempérament ou vers... Non, l'aptitude, c'est l'aptitude, tes qualités, c'est... genre ce que tu sais faire, ton intelligence, tes compétences en fait. Et l'attitude, c'est ton comportement. Émotionnellement, la façon dont tu réagis. Et comme elle a dit, l'altitude, c'est ton niveau dans la vie. Voilà, défini comme ça. Bon, moi, je pense que quand nous prenons, par exemple, l'exemple du Usain Bolt, il est sportif, il a des capacités pour faire du sport bien. Donc, on peut dire que ça, ces capacités-là, ce sont ses aptitudes. Voilà. Maintenant, ses attitudes, c'est qu'il s'entraîne chaque jour. Il s'entraîne chaque jour pour devenir meilleur dans son domaine. Et aujourd'hui, il est champion. Le fait qu'il soit champion, c'est son altitude, son niveau où il doit être. Donc, je pense que la pensée veut juste dire que nos attitudes, nos habitudes, nos comportements déterminent le niveau auquel nous serons dans la vie. Donc, si nous voulons réussir, Usain Bolt, pour être champion, il s'exerce. Quand bien même qu'il a les compétences, il s'est exercé. Il n'est pas assis sans rien faire. Il s'est exercé. Et c'est ça qui l'a amené au niveau où il est aujourd'hui. Donc, nos attitudes plutôt, nous devons d'abord nous connaître, travailler notre comportement. Si nous voulons aller à un certain niveau dans la vie, c'est très important que nous connaissons, nous travaillons surtout nos habitudes, nos comportements. Et la compétence, on peut l'avoir, mais ce qui est très important, c'est l'attitude. C'est, et moi, je vais, parce que quand tu l'as lu en même temps, j'ai eu la situation. C'est-à-dire qu'on dit aptitude, c'est capacité. On peut avoir toutes les capacités, mais si le bon comportement ne suit pas, comme maman Blessing disait, tu peux être super belle. Si tu n'as pas le bon caractère, tu ne peux pas rester et avoir un merveilleux foyer. Donc, José, tu es qualifiée, tu es extraordinaire, c'est toi qui fais l'habillage, générique, jingle et tout ça. Pourquoi tu arrives à moins 4 à moins 5 et à moins 10, ça c'est l'attitude, le comportement. Donc ton altitude risque de chut. Bon, je voulais rebondir sur la pensée en disant tout simplement que au fait les trois doivent marcher de pair pour pouvoir vraiment réussir et atteindre un niveau, parce que quand nous prenons l'attitude et l'altitude, je ne pense pas qu'il faut s'accrocher à un et laisser l'autre. Il est très important de rassembler le tout, de travailler sur ça et de se focaliser pour avoir un résultat final. Ok, on va y aller. Notre pensée très simple et on va la comprendre aussi simplement. L'exemple que je voulais donner, Aïcha l'a donné, donc je ne te pointe pas, José, mais c'est juste un exemple. Quand on dit que souvent on dit l'attitude détermine l'altitude. L'attitude détermine l'altitude. D'accord? Quand quelqu'un cherche un boulot et qu'il trouve un entretien et il doit être là à 7h et qu'il arrive à 7h30,
selon vous, est-ce que le recruteur va encore vous voir? Non. Le recruteur ne voudra pas avoir un entretien avec lui. Ça, c'est son attitude. Même s'il a toutes les qualifications, parce que si on a retenu son CV pour un entretien, sûrement il a toutes les qualifications requises et même mieux. Mais le fait d'être en retard, cette attitude-là de retard qu'il a, prime sur son aptitude à bien faire ce travail. Donc l'altitude qu'il devait avoir en ayant ce poste, c'est-à-dire peut-être directeur. Vous savez, j'ai écouté une histoire où un monsieur est sorti à pied le matin pour un entretien. Il est revenu à la maison avec une voiture, un compte bancaire. On l'a logé ailleurs, il a eu le poste. Donc l'altitude qu'il devait avoir, si c'est ce cas-là, il ne l'a pas. Et là, ce n'est plus l'aptitude qui a compté, ce n'est plus ses compétences, mais c'est son attitude. Donc l'attitude ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que l'attitude est bien plus importante que l'aptitude pour avoir une certaine altitude. Donc ça veut dire quoi? J'ai beau avoir les compétences qu'il faut, j'ai beau être très bon dans un domaine, mais si mon attitude ne suit pas, je peux perdre ce poste. On connaît des... Par exemple, Steve Jobs a donné cet exemple avant de décéder, que dans sa marque, c'est lui qui a créé sa marque, c'est lui. Mais à un moment, on l'a viré à cause de son attitude. Parce qu'il commençait à devenir un peu gonflé et tout. J'ai suivi son témoignage. L'attitude, tu as beau être bon, mais si ton attitude ne suit pas, tu ne pourras pas. Et l'attitude revient dans le fait que, par exemple, certaines personnes, elles racontent tout de leur vie à n'importe qui. Elles ne savent pas se taire. Elles veulent voyager, tout le monde à savoir. Elles font ci, tout le monde à savoir. Elles sortent avec telle, tout le monde à savoir. Mais quelquefois, quand tout le monde sait cette attitude-là, ça te cherche, ça te crée des problèmes qui font que l'altitude que tu as, tu peux être rétrogradé dans cette altitude, si je peux le dire ainsi. Le succès que tu as peut prendre un coup. Imaginons quelqu'un qui est tenu au secret professionnel et qui ne sait pas se taire. Cette attitude de trop bavarder, si le secret tombe dans les oreilles de son chef, il peut se faire virer. On s'en fout que tu sois le meilleur. Il y a plein de gens, plein d'exemples comme ça, de gens très, 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 très compétents, plus compétents que la moyenne, mais qui ont perdu un poste, qui ont perdu quelque chose juste à cause d'une attitude qui ne suivait pas. Donc, l'altitude dans la vie est plus facteur de l'attitude que de l'aptitude. Tu peux être très bon. Mais si tu es une pouplette, si tu ne sais pas te taire, il y a plein de si, il y a plein de circonstances possibles, il y a plein d'attitudes possibles qui vont faire que tu n'y arriveras pas. Quand je reviens dans l'exemple de Usain Bolt, pour ajouter à ce que José a dit, tu peux être bon, mais quand tu arrives, tu te dis, je ne peux pas y arriver, il y a ce qu'au plus vite que moi. Si ton mental, tu te mets déjà dans l'attitude de j'ai perdu, c'est pas sûr que ton aptitude pourra prendre le dessus. Comme on le dit depuis lundi, tout est dans la tête. Beaucoup de choses sont dans la tête. Peut-être que je cours plus vite que Elias. Peut-être que quand on s'y mettra, je ferai une minute sur le kilomètre et lui fera une minute vingt. Mais déjà, la carrure et tout, je me dis, je ne peux pas y arriver. L'attitude que j'ai eue me diminue mes capacités parce que je me sens recroquevillée. Mais lui, il est dans l'attitude gagnante. Il va donner 100%. Il va courir de toutes ses forces. Je peux être mieux que lui. Avoir de meilleures aptitudes que lui pour cette discipline, mais je risque de perdre. Pas parce que je ne suis pas bon dans cette discipline, mais parce que l'attitude que j'ai prise pour venir n'est pas bonne. Donc Usain Bolt, moi ce qui m'a toujours fait rire avec lui, quand il court, tu le vois là et tu vois les autres là. Genre, je suis là, je dis, mais il fait comment? C'est-à-dire, c'est même pas, il n'y a personne derrière lui. Il y a une course que j'ai vue, il n'y avait personne derrière. Quoi. Genre, il était devant et eux, ils étaient bien derrière. Je dis, mais le gars, il fait comment? Comment est-ce qu'il y arrive? Mais il a un mental d'acier, il se dit, je vais y arriver. Vous savez, aussi, pour finir mon illustration, quand, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans le développement personnel ou l'art oratoire, quand on veut aller parler à quelqu'un, même quand on est commercial, on dit avant d'aller, il faut dire yes! Genre, tu dois pousser un grand cri pour ramener tes émotions, être le plus, voilà, pour avoir l'attitude qu'il faut avant de pouvoir parler à la personne. Parce que quand ton attitude est recroquevillée et que tu viens pour convaincre, tu ne convaincras personne. Mais quand tu es dans une attitude assez forte, tu peux convaincre. Alors, on a plusieurs messages. C'est tout est entremêlé, donc je vais tout lire pêle-mêle, si vous le permettez. Bonjour Nectar, bisous. Vraiment, en fait, Elias, là, je veux son numéro. Et maman Elias, ne t'inquiète pas, tu seras heureuse de m'avoir.
Et elle poursuit en disant, voilà, une personne ayant une de ces qualités qui manque des deux autres, ça ne pourra pas marcher. Il faut que l'attitude accompagne l'aptitude pour avoir une meilleure altitude. Ces trois mots, ce sont ces trois mots qui définissent l'homme. Et il faut avoir une bonne attitude pour accompagner le reste. Merci à vous et bonjour, petit coucou à vous tous depuis Liège, en Belgique, où je vous suis grâce à IPTV de la part de Pascal. Merci. On ne va pas se mentir, sinon j'allais dire le bonjour, mais en flamand, mais franchement, il ne faut pas mentir. J'ai dit à Ilia de ne pas mentir, donc je ne vais pas lui enseigner le mensonge. Alors bonjour, trop de tude ce matin dans la pensée du jour, c'est bien. Juste un coucou, vous souhaitez un bon week-end. I like all of you, merci. Tude, c'est trop, voilà. Alors bonjour Nita, bonne émission. Ma femme n'est pas africaine, comme on est dans le monde du consommer local. Je passe par vous pour trouver une fille africaine. Hey, non mais... Là. Je passe par vous pour trouver une fille africaine digne de ce nom pour moi, pour que je puisse consommer local juste pour ce mois. Je vous aime tous, vous me donnez de la joie chaque matin. Merci. C'est votre attitude là. Vous voyez, on parle d'attitude. Bon, je n'en dirai pas plus. Bonjour à toutes et à tous sur le plateau. Bonne journée de travail. Bisous à madame aux manches longues. C'est manche longue, d'accord. Blanche, c'est Messan Goloué, députée à Kato Viepé. Les gens de chez toi te saluent, mais voilà, toi-même, tu ne. À Kato, les DC à Kato. Mais il y a Kato. Mais il y a Kato pour. Ah. Alors, on est sentiment élevé ici. Alors, bonjour. Ah, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas la langue. Si elle arrive tout le temps en retard, elle est en retard aussi pour la langue locale. C'est pas une bonne attitude, José. Tu as toutes les aptitudes et tu peux aller en haute altitude. Change. Ouais, je vais changer. Trop. Alors, bonjour. Bonne explication, ma soeur béninoise. C'est José, tu fais ? Non. C'est José ? En tout cas, dites-nous, parce que tout le monde a expliqué, on ne sait pas de qui vous parlez. Et on a, bonjour, ce qui veut dire la pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Le succès est créé par des gens ordinaires ayant une détermination extraordinaire. Ce que l'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. Le manque d'orientation et non le manque de temps est le vrai problème. Merci infiniment. Malheureusement, vous n'avez pas signé. Et on a bonjour à toutes et à toutes depuis le Cameroun. Merci infiniment. Et bonjour Nectar. Selon moi, ça veut dire que c'est le comportement plus que votre capacité qui détermine votre niveau dans la vie. Merci. Bonne journée de la part de Bangna Sissou depuis Agnié. Merci infiniment. La pensée veut tout simplement dire que c'est le comportement qui définit nos efforts. D'accord, merci infiniment. Bonjour à tous, Nestor depuis Est Mono. Je vois ce plateau, quatre femmes et un homme dans l'émission de ce matin. Je vais passer désormais, on anime ensemble et on se mange entre nous. Oh. Qui se mange entre qui ici? Je préfère ne rien dire. Tout est dans l'attitude. Tout, ouais. Absolument tout est dans l'attitude. Donc, je préfère ne rien dire et ne pas relever pour l'instant. Bonjour, effectivement, il fallait comprendre que Usain Bolt n'avait pas que les aptitudes, mais il avait une attitude qui était le mental d'acier, mais aussi il faisait un entraînement de ouf. Et c'est ça qui lui a permis de garder l'altitude. Parce que l'altitude, en fait, c'est comme les avions. Tu arrives à un certain niveau et tu primes, tu gardes l'équilibre en étant toujours en haut jusqu'à un certain moment. Lorsque le temps pour lui est venu de partir, vous l'avez vu, il est parti et c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Et on a, je signe, c'est Monsieur Wilson depuis la Côte d'Ivoire, mari de Naïda. Merci, monsieur. Aussi dans l'attitude, hein. Merci, monsieur Wilson. Ta mère ici et ta mère lit ce genre de message en direct. L'attitude, hein. L'attitude ou l'altitude, je ne sais plus. Vraiment, moi-même, je suis choquée. Il y a tellement d'études. Terminons. Pour terminer, les téléspectateurs l'ont très bien dit. Ils l'ont très bien compris. Tout est dans l'attitude. On peut avoir les capacités, les compétences requises. Mais quand l'attitude ne suit pas, quelquefois, ça ne donne pas le résultat escompté. Donc, nous devons travailler notre mental
Nous devons travailler notre attitude, travailler nos faiblesses afin qu'elles deviennent des forces et travailler également nos forces afin qu'elles restent des forces. Alors, travaillez votre attitude pour être de plus en plus en altitude. Voilà. Travaillons tous ensemble nos attitudes pour être de plus en plus en altitude. C'est vrai, j'ai voulu taquiner José, je l'ai prise comme exemple, mais nous tous, quelque part, on a des attitudes qui ne nous favorisent pas. Donc le mieux, c'est vraiment de travailler chacun sur soi, comme le disait José, et de pouvoir viser l'altitude que nous voulons atteindre, en sachant que même si on a les capacités, c'est-à-dire les aptitudes, il nous faut encore et toujours travailler sur nos attitudes. Cette fois-ci, on va pouvoir découvrir comment elle nous a dit. Tu as dit ce soir, il saura qui est la femme qui dit on va se voir ce soir et tout ça. Cette attitude de maman que tu as, j'espère que c'est de ça que tu vas nous parler dans Pépites Beauté. C'est parti. Nous sommes de retour avec Sandy qui a bien d'autres choses à nous dire sur son attitude à elle-même d'abord. Elle va faire son mea culpa sûrement. Et puis tu nous donneras les informations du jour. Ok, merci Aïcha. Aujourd'hui, j'ai proposé pour vous une petite astuce juste parce que c'est le week-end. Vous allez essayer de prendre une cuillerée d'huile d'olive. Mm-hmm. Vous allez prendre une cuillerée de sucre en poudre. Vous allez mélanger avec un peu de quelques pincées de bicarbonate. Si vous avez des problèmes d'acné, ajoutez un peu de maïs, poudre de maïs et ou non mélangé avec du gari ou quoi que ce soit. Faites un petit mélange. Essayez de commencer par vous masser le visage, vous frotter le cou, vous frotter les mains, les pieds. C'est une manière de se débarrasser des petites saletés qui traînent sur la peau et c'est une astuce pour toutes les couleurs et types de peau. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inconvénient quand vous le faites. Vous pouvez le faire le matin comme le soir. Okay. Vous pouvez aussi le faire pour les enfants. Parce que quand nous prenons nos petits ados, surtout les filles, quand elles commencent à prendre les formes, il y a la chaleur qui fait que des fois au niveau des aisselles, c'est un peu sombre. Des fois au niveau de l'encuisse ou sous les fesses, c'est un peu sombre. Donc, c'est une petite astuce qui permet de se débarrasser des peaux mortes. Ainsi que pour les hommes, les barbes à raser et tout, tout, tout. C'est juste une petite pensée et partage pour... Aïcha, tu me déconcentres. Non, mais en fait, l'attitude de ton fils, ça fait que son micro est en train de partir à volo. Voilà. Et puis, il te touche le micro. Pourquoi? C'est toi le preneur de son. Son micro est en train de partir en vrille. Si vous remarquez, c'est l'attitude qui a fait ça. Bref. Ce n'est pas son moment de parler, donc vas-y, excuse-moi. Okay, donc, c'est la petite astuce qu'on peut se faire rapidement en espace de 5 ou 10 minutes et après se rincer avec l'eau tiède ou l'eau chaude, tout simplement. D'accord, donc on reprend huile d'olive, quelle quantité? Une cuillerée à café. À café. Une cuillère à café, oui. Une petite quantité d'une cuillerée à café, sucre, même quelques pincées. Mais sucre, mais quelques pincées de bicarbonate. Okay. Si vous avez des petits boutons sur le visage, parce que quand nous parlons de boutons, c'est beaucoup de choses. Il y a des boutons allergiques, il y a des boutons à batterie, des boutons hormonaux, ainsi de suite. Donc, une petite astuce juste pour se débarrasser. Même après rasage aussi, on peut faire ce petit gommage. Tu as ce message qui dit « Bonjour, j'ai souvent des petits trucs blancs sur mon visage chaque fois et je sais, c'est vraiment désagréable. Ouais. » Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est cette astuce? Oui, avec cette astuce, il suffit de le faire au moins tous les 2 jours ou 3 jours ou carrément 2 fois par semaine. Ça permet d'éliminer ces petits trucs blancs. En fait, c'est la graisse. Okay. C'est la graisse mélangée à la saleté plus les peaux mortes qui forment ces petits trucs blancs. Et c'est très vilain à voir. Donc, déjà, il faut qu'il ajoute quelques pincées de bicarbonate à du sel, à du sucre en poudre et avec un peu de maïs. Le poudre de maïs. Oui, poudre de maïs mélangée à l'huile. Vous avez une petite pâte homogène et vous appliquez et vous commencez par frotter. Mais très bientôt, nous aurons des petites vidéos illustrant pour voir l'effet que ça fait.
pour voir l'effet. L'application se fait comment? Oui, de manière circulaire, Naïda. C'est comme un gommage. Oui, c'est comme un gommage. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez pendant longtemps. Okay. Au moins 10 ou 15 minutes, vous frottez bien. Et vous prenez le temps de bien frotter. Ça permet d'éliminer en profondeur, les peaux mortes. Parce que nous prenons tous avec des cellules mortes ou des peaux mortes. Donc cela permet au fait de régénérer la peau, d'éliminer, de nettoyer en toute profondeur. Puisque ce geste permet de bien nettoyer la peau qu'au filet et aux éponges. Et surtout, éviter d'utiliser les serviettes pour vous laver le visage. C'est pas du tout bon. Les serviettes, genre gants, les gants, enfin, oui. Je ne parle pas des gants, des crins. Non, les gants en serviette. Oui, en serviette. C'est pas les gants bon. De toilette. Oui, les gants de toilette, c'est pas bon. Okay. Oui, à force de le faire, ça ne nettoie pas au fait en profondeur la peau. Mieux vaut faire un petit gommage, fait maison ou aller à l'institut, que de prendre les serviettes. Parce qu'avec les serviettes, déjà, c'est mou. C'est mou. Que vous ayez la peau... sensible ou peau de bébé, ça ne prend pas la saleté qu'il faut. Donc déjà évitez de le faire parce que c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon pour la peau parce que au fait c'est dans cette serviette que vous avez encore des dépôts de saleté et beaucoup ne prennent pas le temps de bien laver après usage. Et quand vous laissez dans un endroit humide, les mycoses, les champignons, les bactéries s'installent et après, on chope des boutons. Et quand nous parlons de boutons, nous aurons le temps vraiment de détailler les différents types de boutons que l'on peut avoir quand on n'entretient pas. Même quand on a des boutons, il faut entretenir la peau, le corps et le corps en général. Oui. Bonjour à vous, s'il vous plaît. Les boutons qui sortent après le rasage des barbes, comment gérer? Et tu as cet autre message également. On voit que vous n'avez pas suivi parce que Sandra en a déjà parlé sur le plateau. Comment lutter contre les dâtres? C'est vraiment urgent. Inbox, m'écrire. Inboxer là, donc elle donnera son numéro de téléphone tout à l'heure. Déjà avec les boutons après rasage aussi, je pense qu'on en a parlé ici. La personne peut m'imbosser pour lui donner l'astuce ou carrément peut passer à l'institut. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Quelle explique bien pour moi? C'est important. Quelle explique quoi bien? En fait, il y a plusieurs choses, donc on ne comprend pas très bien. Et c'est un message qui vient depuis le Gabon. Expliquez quoi bien, il faudrait pouvoir être... Le gommage qu'on vient de dire. C'est-à-dire quel détail ou quel explique. Je crois que vous voulez avoir tous les ingrédients, c'est ça? Ok. Vous allez prendre une cuillerée à café de miel. L'huile d'olive, c'est pour tous les types de peau et toutes les couleurs de teint. C'est-à-dire que vous soyez teint clair, teint café ou teint noir, l'huile d'olive passe pour tout le monde. Donc, prenez une cuillerée à café d'huile d'olive mélangée à une cuillerée à café de sucre en poudre. Si vous avez des problèmes d'acné, ajoutez quelques pincées de bicarbonate. À part le bicarbonate, vous pouvez ajouter aussi le maïs. Le maïs ralentit aussi la poussée des acnés. Faites la farine de maïs. Non mélangé. Vous essayez de faire votre mélange. Vous avez une pâte homogène que vous appliquez sur les zones à gommer. Ça peut être le visage, le cou, les mains, au niveau des aisselles, l'encuisse, sous les fesses, même tout le corps si vous voulez. Mais la petite astuce de ce matin concerne juste les parties. Puisque nous allions prendre juste une cuillerée de café, la petite cuillère précisément. Sinon, ce n'est pas un truc qu'il faut faire et laisser utiliser après. Ça s'utilise en même temps. D'accord. Donc, vous essayez de frotter en mouvement circulaire. Vous frottez jusqu'à ce que ça disparaisse. Vous allez voir des peaux mortes ou des saletés qui vont tomber. Je pense que j'ai bien expliqué. Exact. Alors, à défaut de l'huile d'olive, est-ce qu'on peut utiliser de l'huile normale? Oui, on peut utiliser de l'huile normale. Mais je préfère encore l'huile d'olive. Mais si vous êtes de teint noir ou café, vous pouvez utiliser le miel. Mais si vous êtes de teint clair, s'il vous plaît, pas de miel. Parce que le miel ternit la peau des teints clairs, surtout quand on ne sait pas de quel miel. Parce que les miels aussi diffèrent selon les arbres, selon les fleurs où les abeilles se posent au fait. Donc c'est pour ça, des fois, il y en a qui vont vous dire, j'ai utilisé le miel fatigué, j'ai pas eu le résultat attendu. Tu as Madame Katonga depuis Kara Djuma, depuis Kara, elle dit Djuma Moubarak, à Elias, à un jour.
La question. Oui, voilà. Donc, Madame Katanga demande, est-ce pour elle, ce sont les boutons et les taches. Est-ce qu'on peut appliquer ça sur les genoux, les coudes et entre les cuisses? Oui, c'est applicable, pardon, pour juste pour gommer, mais c'est pas un anti-tache. Il faut que ça soit précis. C'est pas contre les taches, c'est juste pour nettoyer. Le gommage n'enlève pas les taches, au fait, mais le gommage permet d'éliminer les cellules mortes ou les peaux mortes sur la peau. C'est juste un nettoyant. Et vous allez remarquer, quand on l'a fait la dernière fois, si vous aviez remarqué sur le plateau, il y avait une petite différence. Vous allez voir, la partie gommée est souvent plus éclatante et plus jolie que la partie non gommée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le gommage est indispensable et fait partie de la vie. Vous n'avez pas les moyens d'aller à l'institut, faites le gommage à la maison si vous pouvez. C'est très important. Alors, et ça illumine la peau, en fait. D'accord. Alors, quelqu'un demande si tu as vraiment de bons produits pour faire pousser les barbes. Oui, je vous le garantis. C'est... Il suffit de regarder Elias. On a des produits. Elle va donner son numéro de téléphone tout à l'heure, mais avant j'aimerais qu'on fasse... de l'exposition. Oui. Ok, merci Aïcha. Déjà, nous avons une exposition au niveau de Seco BTP, l'ancien Seco BTP, dans le vent. Pardon. Trop de publicité. Ok, nous avons une exposition au niveau de Eden Garden Park, oui, à Agoué, du 9 à partir d'aujourd'hui au dimanche. Et c'est une exposition qui rassemble les jeunes entrepreneurs où vous allez voir plein de talents cachés, des colliers, des perles, des produits à base de chocolat, à base de cacao, plein de trucs comme vous voyez la fille des jus. Et l'entrée est gratuite pour tout le monde, surtout respecter les mesures barrières. Nous serons là, je serai là, la référence comme vous voyez, pour pouvoir vous aider sur vos questions de peau, tout ce qui concerne le bien-être et la beauté. Et c'est toujours des consultations gratuites. Donc, venez, nous vous invitons, vous êtes tous invités. Merci. Oui, et la particularité, vous allez découvrir les trucs de chez nous et vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs. De néo-entrepreneurs, vraiment. De néo-entrepreneurs. Merci. Alors, Tisha. Bonjour, je m'aligne aussi derrière mon frère qui a parlé des boutons de barbe et de dartre de la part de Marcelin depuis Yaoundé. Pour toutes ces personnes qui ont envoyé vos questions par multiples ce matin, sachez tout simplement que Sandra va donner son numéro de téléphone et vous pourrez déjà commencer par lui écrire via WhatsApp et elle pourra ensuite y répondre. Sandy? Oui. Ok, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00, ou aller carrément sur la nouvelle référence sur Facebook. Un numéro pour avoir des renseignements? Oui, par pour rapport à... les renseignements, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 pour donner directement les renseignements. D'accord. Merci. Alors, 90 27 92 00 pour donner tout ce qu'il y a comme... renseignements sur non seulement par rapport à toutes les questions que vous envoyez, elle pourra vous répondre directement et même aussi vous donner mieux encore la localisation concernant l'événement qui démarre aujourd'hui. Oui, c'est qui bien démarre cela aujourd'hui. Voilà, déjà donc, à 9h, à partir de 9h. Merci beaucoup Sandy. Et cette fois-ci, on va... oui, le message, Elias, les pieds assis beaucoup le matin, à problème n'est que pour les fonds. Mais je crois que nous allons retrouver José dans Neck Business. Tu te remets de tes émotions doucement? Ça va? Oui, ça va. Le Ah! Diakouania. Ça veut dire quoi, en fait? D'accord. Diakouania. Eh bien, on va retrouver José tout à l'heure dans Neck Business. Ce sera juste après ceci. Neck Business ce matin avec notre très cher José, quelqu'un a envoyé Diakouania. Oui, on l'a beaucoup secoué, donc je voudrais qu'elle revienne et qu'elle redescende pour pouvoir mieux permettre en tout cas d'être ensemble. On va laisser Elias aider, soit galant, voilà, en respectant bien sûr tout ce qu'il faut respecter. Alors José. Ouais, merci Aïcha. Non, je Ndiakouania. Depuis là, on est les bonnes, les bonnes, on est les siennes, on est comme Ndiakouania. D'accord. Okay. Alors, oui. Bon, ce matin, nous allons découvrir une jeune talentueuse, une jeune
que j'apprécie beaucoup. Elle a un parcours atypique. C'est la promotrice de Christina Food, qui est une structure de transformation agroalimentaire. Elle transforme les tubercules en farine et aussi elle valorise le Corosol. Donc, sans plus tarder, nous allons... Okay. Le Corosol, comment on l'appelle dans ta langue? C'est ça, à titre... En anglais. Wow! Et bleu! Ah, ok. D'accord. Okay. Alors, donc, le Corosol. Le Corosol. Ok. Qui est un fruit typiquement de chez nous ou pas? Oui, de chez nous. De chez nous. D'accord. Et la jeune promotrice, elle s'appelle comment? Madame Awissa Tieni. Ouais. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Nectar. Alors nous allons vous laisser l'opportunité de vous présenter et de nous parler de vos produits. D'accord. Merci. Là nous avons, ma structure c'est Christina Food. Nous sommes dans la transformation agroalimentaire. Ouais. Donc nous produisons, nous avons différents produits. Notre objectif, en fait, c'est d'amener les gens à varier leur alimentation. Parce que, de plus en plus, nous travaillons de lundi à samedi, même parfois le dimanche. On a à peine le temps de varier notre alimentation. Donc, on se retrouve à consommer pratiquement les mêmes choses tout le temps, quand ce n'est pas le riz, c'est la pâte, c'est le couscous. Alors que nous avons une diversité de plats ici. Et parfois, on n'arrive pas à les cuisiner, soit parce qu'on ne sait pas les cuisiner ou parce qu'on n'a pas le temps. Ça prend trop de temps, donc on préfère faire un truc rapide pour manger. Donc, nous avons commencé par proposer des farines. Farine de banane plantain, patates douces. Nous faisons à Doé. Déjà. C'est à Doé, là. À Doé, en fait, c'est prêt à cuisiner. Donc, en fait, on a déjà fait le gros du boulot. Okay. Donc, vous avez juste le haricot sans les points noirs et tout, okay, pour pouvoir le faire rapidement. Donc, on fait aussi du gougoumbé, déjà fait aussi, déjà en sachet, pour varier un peu de ce que nous prenons tout le temps. Et nous avons, là, par exemple, c'est un produit à base de dattes, extrait pur de dattes, pour remplacer le miel ou le sucre. Donc, je suis désolée parce que moi, il y a à peine 3 semaines que j'ai. Mais nous, on l'a fait en tartine. Oui, on l'a tartiné. Oui, on l'utilise aussi pour tartiner. Parce que c'est super bon. Donc, c'est à tartiner en fait. Oui, en fait, pour les enfants, par exemple, pour remplacer les confitures, pour éviter le sucre, puisque ça, c'est sans sucre. Mais c'est sucré, enfin, ça a un goût sucré, mais c'est sans sucre ajouté. Donc c'est nettement mieux que les confitures et tout ça. Donc on peut tartiner aussi le pain avec. On peut faire pour les crêpes, on peut tartiner les crêpes en pâtisserie. Ça peut s'utiliser pour plein de choses. Donc nous avons des farines aussi. Ça c'est une farine de Djekoumé à base de maïs et noix de coco. Donc il y a sa seconde version en fait, parce que nos clients nous ont demandé, il y a des clients qui ne consomment pas le maïs ou qui sont diabétiques, donc ils nous ont demandé de faire une version pour eux, pour qu'eux aussi puissent faire du Djekoumé. Donc là nous avons une autre version pour diabétiques qui est fait à base de mil et fonio et noix de coco. Donc le fonio qu'il contient certifié bio avec tous les documents qu'il faut, et c'est à très faible teneur en sucre. Donc, les diabétiques peuvent l'utiliser. Maintenant, nous valorisons le Corosol, oui, parce que le Corosol a beaucoup de vertus. Donc, nous faisons du jus de Corosol, nous faisons la tisane, le thé de Corosol, nous faisons la pulpe déshydratée, séchée, un peu comme les fruits séchés, à base de Corosol aussi. Donc, voilà, à peu près. Et la pulpe de Corosol, c'est pour faire quoi? C'est pour manger. C'est comme les mangues séchées ou bien ananas séchées. Donc en fait, c'est aussi une forme de conservation. Ça a un goût succulent. Moi, j'ai une question. Mi sucré, mi acide. Oui. Pourquoi la noix de coco dans la poudre de Djekoumé? Généralement, chez nous, quand on dit il y a fianzé, c'est-à-dire tu veux faire. Tu vas brûler la mamie. Oui. Généralement, nous utilisons du lait de coco
pour faire le jekume. Si vous voulez que ça ait un goût spécial, un arôme spécial. Mais pour avoir le lait de coco, ça prend du temps. Il faut mixer, il faut extraire, il faut râper. Ça donne du boulot, en fait. Mm-hmm. Donc, nous, on a voulu toujours dans l'idée d'aider, en fait, les gens à raccourcir le temps de cuisson à la cuisine et tout. Nous, on a fait le gros du travail. Donc, on incorpore en même temps la noix de coco avec le maïs. Mm-hmm. Comme ça, quand vous prenez, vous avez l'arôme, le goût de la noix de coco sans avoir eu à faire tout ce tralala. Mm-hmm. Alors, parlez-nous de Christina Fou. Pourquoi décider de vous lancer dans la transformation agroalimentaire? Avoir votre parcours, vous aviez fait des études en marketing et tout. Pourquoi avoir décidé de vous lancer? C'est vrai que j'ai un master en marketing. Oui. J'ai aussi une expérience professionnelle de plusieurs années. J'ai voulu plutôt aider les personnes qui travaillent, parce que quand moi je travaillais, j'avais ces difficultés-là. Je travaillais jusqu'à samedi soir à 22h et sincèrement, c'était tout le temps la pâte, le riz. Je n'avais même pas le temps d'aller au marché. Donc si moi, à ce moment, j'avais quelqu'un qui faisait ce genre de choses pour m'aider à mieux manger, je pense que moi, ça m'aurait aidé. Donc quand j'ai décidé d'entreprendre, je me suis dit, ok, je vais aider les personnes qui ont eu les mêmes difficultés que moi à s'en sortir. Ça fait déjà plus de 2 ans que vous êtes installée. Dites-nous, comment est votre notoriété? Est-ce que les Togolais arrivent à consommer vos produits? Vos produits sont-ils disponibles sur toute l'étendue du territoire? Parlez-nous un peu de ça. Ok. Nos produits commencent à être connus. Oui. Ça fait, disons, ça fait 4 ans en fait, que nous sommes dans ce domaine-là. Oui. Donc, nos produits commencent à être connus et nous ne sommes pas encore disponibles sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes à Lomé, nous sommes à Kara, nous sommes à Palimé pour le moment. Mais on est en train de... Bientôt, nous serons à Ngotien aussi. Et progressivement, on avance. Moi, j'ai toujours été curieuse d'une chose. Quand je rencontre des personnes qui font de la transformation, on se dit, mais comment se font les choses en laboratoire? C'est sûr qu'on ne va pas vous demander de nous livrer vos secrets, mais pour faire le jinkume naturellement, hein, si je ne me trompe pas, mais pionazé de temps en temps, quoi. Vas-y, qui on a tantôt, ni qui on a comme pour vous là. Tanya, qui on a clico. Mais comment prendre pour faire? Ma fille est là pour gérer le reste. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des messages, tu veux que je les lise? Je veux rien. D'accord. Alors donc, on sait que pour faire le jinkume, on fait tourner la farine. Un peu au tonnet. Et on fait tourner la farine, tout ça. Ensuite, on fait la sauce tomate et puis on prépare. Et puis, c'est un plat qu'on nous dit qui c'est que au Wepoldu. À chaud. Ça se mange à chaud. Tu es de Palimé ou bien tu es d'où? Parce que Djenkoumé, là, c'est pas de chez toi. Djenkoumé, c'est de chez nous. J'aime bien. Toi, c'est foufou. On va parler tout à l'heure de foufou. Alors, justement, est-ce que ça donne les mêmes, les mêmes sensations que quand nous avons notre farine, nous faisons retourner, ensuite nous faisons la sauce tomate et puis on prépare. Est-ce que avec les produits transformés, c'est la même chose, c'est le même goût, le même aspect, la même texture? C'est la même texture. Aspect, je dirais pas que c'est le même aspect parce que le procédé n'est pas le même. Okay. Nous torréfions le maïs avant de le moudre. Donc la texture ne sera pas forcément la même qu'une farine blanche qui est torréfiée. Mais niveau goût et niveau odorat, arôme, c'est la même chose. Parlons un peu de la tisane du Corosol. Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est d'abord, c'est un relaxant, un anti-stress. Ceux qui connaissent le Corosol, en fait, si vous avez par exemple des insomnies ou que vous avez des angoisses, vous êtes tendu, ça aide beaucoup ça apaise et puis ça vous aide à dormir en fait. Ok. Donc là, on le prend comme un thé chaque matin. C'est dans des petites sacoches de Lipton, un peu comme Lipton. Donc vous en mettez dans une tasse d'eau chaude et au bout de 2-3 minutes, ça infuse
et puis vous en prenez. Ok. Maintenant, est-ce que vous comptez vous spécialiser uniquement dans ces trois, disons quatre types de produits ou bien vous voulez élargir un peu, vous songez à élargir vos... Plutôt, j'ai commencé avec du large et j'ai restreint. Ah bon? Pourquoi? Parce que je me suis spécialisée sur les produits qui avaient une plus forte valeur, okay, qui avaient plus de potentiel. Ouais. Moi, j'ai une question, c'est le mois du consommer local. Si nous voulons consommer vos produits, où est-ce qu'on les trouve? Et ma deuxième question un peu bizarre, pourquoi Christina Food? Parce que je vois votre nom, il n'y a pas Christina dedans. Pourquoi Christina? Voilà, ce sont les deux questions. Peut-être c'est l'enfant, okay, qui se nomme Christine, je sais pas. Bah, pourquoi tu réponds à sa place? Bon, vas-y, allez-y. Je réponds d'abord à la première question. Mes produits, on peut les trouver à Africa Made Show. C'est juste à côté de la famille Marcine, Mathilda. On peut en trouver à la boutique à Web Foodies dans le marché de Cacavilly. Okay. Il y en a aussi à la boutique Lingot d'Or à Baguida. Il y en a à Cara. Ce sont les boutiques, c'est une chaîne de boutiques Bercail qui en a. Ils sont à Cara, à Palimé et à Lomé. Okay. Maintenant, nous-mêmes, nous livrons aussi nos clients. Okay. Donc, il suffit de nous contacter. Puis, et on peut vous contacter sur quel numéro? 90 26 08 80. 90. C'est aussi sur WhatsApp. 90 26 08 80. Vous avez ce message qui demande est-ce qu'on pourrait avoir les ingrédients des aliments et les prix. Alors, je crois que vous avez déjà donné les ingrédients. Oui. Et vous n'avez par contre pas répondu à la question de Naïda. Oui. Pourquoi Christina? Christina Food, en fait, c'est deux noms que j'ai combinés, Christophe et Tina. Christophe et Tina. Oh. C'est qui Christophe? C'est qui Christophe? Oh, ouais. Et c'est qui? Ce sont mes parents. Oh, oh. Quelle émotion! Tu vois que tu étais non, carrément dans le mur. Non, mais. C'est normal, elle est chassée. La peur. Ouais. La peur est une réaction. C'est un mot que j'ai pour un moment. Elle me rejoint. Elle aime bien ses parents. J'adore. Ah, donc ça vient du nom de vos parents. Oui. Ça veut dire que vos parents vous ont inspiré beaucoup. En fait. Ils ont poussé. Pardon? Ils ont poussé. Oui, en fait, ils m'ont beaucoup motivée. Et je pense que je fais beaucoup de choses aujourd'hui, surtout pour eux. Mmh. Okay. Vous les aimez? Il y a beaucoup d'émotions dans son regard. Pas faire, ah, il faut le dire. Pas faire pleurer madame cette quand question, même. Il y a beaucoup d'émotions. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Ils vous suivent présentement ou pas? Non, je ne crois pas. D'accord, mais peut-être qu'il y a la rediffusion, ils vont suivre. Donc, papa. Christophe et maman Tina, c'est ça. On vous aime et on vous embrasse et merci pour tout ce que vous avez injecté en madame pour qu'on puisse avoir Christina Fou, parce que tout ce qu'elle a là, moi-même je vais les gérer et puis je viens de donner des témoignages. On termine avec ce message qui dit merci beaucoup, c'est ce que nous voulons, il faut qu'on vive de chez nous. Ouais. Il faut que les Togolais s'intéressent à la consommation des produits de chez nous. Merci infiniment de la part de Ousser Carré Nérési. Something like that. En tout cas, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Et courage, Christina. Vous êtes en route pour l'altitude. Ouais. Merci. Voilà. Alors, on rappelle le numéro de téléphone. C'est le 90 26 08 80. Quelqu'un a demandé si vous faisiez de la farine pour foufou. On le fait sur commande. Sur commande. D'accord. Okay. Merci infiniment. José, ouais, merci beaucoup. Élodie, et je rappelle que nous sommes dans le mois du consommer local. Ouais. Faisons tout, essayons de consommer du moins les produits locaux. Et Christina Food est là. Elle est joignable sur le 90 26 80 08 80. Donc le djinkoumé, moi spécialement, c'est un plat que j'adore. J'espère qu'elle partira pas avec tout ça. Non, je pars pas avec.
Merci, c'est la fin de Neck Business. Non, on va c'est la fin acheter, de Neck Business. On va acheter. Oui, c'est tout pas sur ce plateau, on va acheter. Oui, quand je dis ne pas partir avec, c'est pas dit gratuitement. Je dis, mais attends quand même. Chacun voit plus pour qui. On va acheter. Attends, calme-nous. La charité est bien ordonnée. Comment par soi. C'est pourquoi, Elias, tu prends toute une garantie puisque José, aujourd'hui, paye pour nous tous. Il faut supporter vraiment. Bravo à vous, chère Christina. Et cette fois-ci, nous allons retrouver Champizo qui est arrivé en retard, mais qui va quand même nous parler de Champizo. Style Tahiti, votre école de coupe de couture et de perfectionnement ECCP. Les inscriptions ont déjà commencé. Rentrée académique 2020-2021 est prévue pour le 5 octobre 2020. Soyez nombreux à vous inscrire et à profiter de cette nouvelle année pour acquérir les meilleures bases qui feront de vous des stylistes de renom. Avec Style Tahiti, accédez à une formation de qualité. Devenez des professionnels en couture. Adhérez à nos programmes de formation pour acquérir les connaissances artistiques indispensables pour vous constituer une clientèle de choix à la fin de votre formation pour vous permettre d'entreprendre, de créer, d'assimiler les techniques de coupe d'assemblage, vous permettant ainsi de gérer votre propre atelier. Adressez-vous à Style Tahiti avec ses différents annexes à Nikonapwe, Kodiewiakope, Angle rue de la Cosa Charité. Téléphone 22 22 52 51 97 12 10 10 à Avedi, immeuble en face du lycée Le Jourdain, près de Limousine. Téléphone 90 18 39 90 97 12 15 15 à Dapamé, non loin du rond-point d'Adapamé, à côté de l'hôtel God Bless. Au téléphone 90 07 33 06 et à Dapaon, au quartier Natbagou, face à la grande mosquée. Téléphone 90 78 79 47. Il dansait, hein, mon petit chéri, mon fils. Voilà. Donc, nous sommes avec M. Léonce de Champizo, de Nutri. Je ne sais plus, je dois dire Champizo, je dois dire Nutri, Sarle. Tu peux dire Champizo. Ok. Simplement. Simplement. Bonne arrivée. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Et puis, bonjour, très chers téléspectateurs. Nous sommes encore là. Et je crois que c'est pour de bonnes choses, pour toujours une solution. D'accord. Alors, on a démarré depuis vous, avant-hier, depuis le mercredi, avec vous, et on a découvert déjà Anamix, qui est une belle, belle découverte, parce qu'on l'a tous consommée et on a trouvé que c'était une belle boisson qui régulait et qui accélérait la digestion. Et à force de la boire, pour ceux qui ont envie de to get shape, voilà, être en forme, quoi. Être en forme, ça va faire du bien. Et on vous voit arriver aujourd'hui avec une nouvelle bouteille sur laquelle c'est écrit Nutri BC Performance Mentale et Relaxation. Exactement, c'est vrai. On a écrit Performance Mentale et Relaxation. Vous savez, nous sommes en début de week-end. Hein. Et ça n'a pas toujours été facile hein, pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent. Et en ce moment, de gérer le stress de toute la semaine, il y avait une pile de dossiers à traiter, il y avait beaucoup de choses, même il y avait à préparer des émissions comme vous. Il y avait pas mal de choses pour les jeunes entrepreneurs qui étaient dans plusieurs réunions à la fois. Et pour quelqu'un qui est au niveau de l'administration, ça n'a pas été facile. Hein, c'est des réunions sur réunions. Et ils ont accumulé le stress, ils ont accumulé la fatigue. Et ici, la fatigue mentale également. Hein, et ce n'est pas facile. Et il faut forcément, alors que nous sommes en train de rentrer dans le week-end, vous savez, quand on rentre, généralement dans le week-end ou bien vendredi comme ça, et tout le monde souffle un petit soulagement, hein, un ouf de soulagement. Et c'est justement ce qui amène à trouver quelque chose qui peut nous aider à être relaxé, hein, à être en pleine forme dans le week-end pour pouvoir redémarrer la semaine. Donc je crois que chacun d'entre nous, nous aimons quand même nous relaxer.
Donc il faut trouver quelque chose qui peut nous aider à nous déstresser dans la semaine. Donc voilà, Champizo Nutri BC est fait justement pour aider, pour nous aider à nous relaxer. Parce que quoi? Parce qu'il y a le type de champignon qui est utilisé, est appelé Erythium. Et ce champignon, c'est le champignon de la mémoire, qui agit sur la mémoire. C'est ici qu'on parle également de la performance mentale. Pourquoi? Parce que c'est la mémoire. Et il faut adoucir les nerfs, il faut avoir la capacité de pouvoir garder les choses et de pouvoir gérer, et comment dirais-je, de gérer les choses. Et parce que ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas évident quand tu as toute la semaine, tu as magasiné des choses. Et il y a ça à côté de moi, il sait qu'il a, il a vraiment travaillé tout au long de cette semaine. Il faut que sa mémoire se repose, hein, pour pouvoir redémarrer la semaine. Et donc, Nutri BC est vraiment conseillé pour agir sur notre mémoire. Et surtout, les jeunes s'en raffolent, hein. C'est la boisson que les jeunes consomment beaucoup aujourd'hui. Et voilà, vous consommez cette boisson, vous avez la capacité de pouvoir mémoriser les choses, de gérer beaucoup de dossiers à la fois. Donc voilà ce que je peux dire sur une Nutri BC. Et le type de champignon, comme je vous le dis, c'est Erythium, hein, qui est vraiment conseillé pour pouvoir gérer et les stress et renforcer sa performance mentale. Mmh. On a est-ce qu'on a l'image de ce type de champignon? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si la technique peut nous aider, sinon peut-être la prochaine fois. D'accord. Alors, ce sont des champignons qu'on trouve chez nous. Vous avez ce message qui dit « Bonjour, est-ce que c'est une boisson alcoolique ?» Non, ce n'est pas une boisson. Toutes les boissons champizo ne sont pas des boissons alcoolisées. Voilà. Mm-hmm. On ne retrouve absolument pas. Il n'y a pas un pourcentage moindre d'alcool à l'intérieur. Non, non, non. C'est une boisson sans alcool. Sans alcool. Sucré. Oui, Nutri BC est un peu sucré. Sucré parce qu'il y a le miel également là-dessus et du miel dedans. Ce n'est pas du sucre, voilà, non, non, non. Mais c'est le miel qui fait que c'est sucré. Donc c'est à la menthe. Je rappelle que c'est une, comme chaque fois, c'est une combinaison de champignons et puis de menthe et de miel. D'accord. Voilà. Et comme vous le dites, c'est que du naturel, hein, parce qu'on le sait, le champignon, voilà, c'est naturel, ça pousse. Par contre, c'est une question qui a été posée. Et les champignons sont cultivés comment? Est-ce que les champignons sont cultivés de façon avec toutes les conditions qu'il faut pour que ça soit vraiment totalement naturel? Ou bien alors, pour avoir une plus grande production de champignons, il y a de légers engrais qui sont jetés quelque part tout autour? Non, pas du tout. Vous savez, et c'est ce qui fait également la particularité de Champizo. Champizo est focalisé sur le naturel, sur ce qui entre dans le domaine de la santé. On ne peut pas s'amuser, hein, à faire des choses qui vont encore agir sur la santé des uns et des autres. Et alors oui, les champignons se produisent, bien entendu. D'ailleurs, pas plus que la semaine dernière, on a organisé une grande formation. Ça se fait chaque année, une grande formation à l'endroit de tous ceux qui désirent se former en la production des champignons, qu'on appelle la myciculture. Donc, vous pouvez, notre cher ami qui est en train de nous écrire peut me contacter à la fin et nous pourrons l'aider à apprendre comment cultiver les champignons. Mmh. Quelqu'un demande, est-ce que les élèves peuvent en prendre? Je crois que oui. C'est oui, exactement. Exactement. C'est la boisson, comme je l'ai dit, les jeunes, les enfants s'en raffolent. Et c'est la boisson qui aide les jeunes à pouvoir bien garder les choses. Parce que la mémoire, il faut avoir la capacité de garder beaucoup de choses. Quand on dit que telle personne a 20 sur 20 en classe, ce n'est pas parce que forcément, comment dirais-je, ce n'est pas forcément parce que, comment dirais-je, je vais plutôt dire... Il faut boire Nutri BC, parce que ça fait déjà deux fois. Oui, exactement. Ça réveille la mémoire. Ça réveille la mémoire. Donc, quand je dis, je reviens sur ce que je viens de dire, quand quelqu'un a 20 sur 20, il y a également la mémoire qui participe réellement à sa réussite. Donc, il est de bon ton que... les élèves prennent BC alors qu'ils se préparent même pour la rentrée. Il faut préparer tout,
en ce moment. Quelqu'un dit si on est allergique au miel. Si vous êtes allergique au miel. Bon, y a encore d'autres boissons, hein, si celle-ci ne vous va pas. Mais ce qui est très bien avec les champignons, je l'ai dit au départ la dernière fois, que les champignons ont la capacité d'autorégulation. D'accord. Maintenant, si quelqu'un a un peu de problème avec le miel, on peut en trouver. Il y a encore d'autres jus d'étoffe à champignons qu'il peut boire. Bonjour Nectar, ici c'est Théodore Adams. J'aimerais savoir si lui-même consomme cela. Et est-ce que les diabétiques peuvent en consommer aussi? Oui, moi-même je consomme. Je ne peux pas être promoteur de champignons et ne pas consommer. En tout cas, on est même dans le mois du consommer local. Et ça doit commencer par nous-mêmes. D'accord? On doit donner le bon exemple. Alors, est-ce que celui qui souffre de diabète peut consommer les boissons champignons? Oui, nous avons une boisson conseillée spécifique aux diabétiques et aux hypertendus qu'on appelle Action. Et dont nous parlerons certainement peut-être le lundi. Mais en tout cas, il peut me contacter et la boisson qu'il lui faut, eh bien, je le lui trouverai. D'accord. Alors, vous avez un autre message. Bonjour. Est-ce qu'on peut trouver champignons ici au Gabon? Champignons au Gabon, pas encore. Nous sommes en train de faire les démarches pour que, également, dans la zone CDAO et dans l'espace Mémoire, et que toutes ces choses, en tout cas nos boissons, puissent se retrouver. Voilà. Mais nous pourrons prendre la tâche avec lui et voir dans quelle mesure le lui envoyer. Alors, bonjour, moi de consommer local, donc pas de whisky, mais plutôt du soda vie. Merci pour votre apport. c'est du whisky local, c'est chacun selon son estomac et chacun selon ce qu'il veut donner comme vigueur à son organisme, en fait. Et on a cet autre message qui dit, bonjour, puis-je poser une question? Bah oui, posez-la. Mais il n'a que 2 minutes qui lui reste, donc écrivez rapidement, sinon vous ne pourrez pas avoir la réponse à votre question. Quoi qu'il va laisser son numéro de téléphone tout à l'heure et que vous aurez tout le loisir de pouvoir lui répondre. Alors, bonjour à vous, champignons est très bon. Je l'ai consommé la fois dernière quand vous avez parlé de celui de l'ananas et c'est vraiment très sucré, même les enfants l'adorent. Voilà, donc ça se passe de commentaires. Bonjour, à quand un mélange? Ah, ça c'est quelqu'un qui m'aime. À quand un mélange champignon café pour faire une boisson? Alors, je vais tout simplement dire à notre ami d'attendre. Il va avoir des surprises, surtout en début d'année, en 2021. On réserve beaucoup de surprises à nos consommateurs. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Oui, on peut demander. La bouteille est à... Oui, la bouteille est à 500 francs dans toutes les boutiques, mais fort heureusement que nous sommes en période de promotion à champignons. Justement, j'allais faire la transition pour arriver là. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver les boissons champignons à 450 francs hein, dans toutes les boutiques de Lomé jusqu'à l'intérieur du pays. Nous sommes en promotion et tous les distributeurs de champignons également bénéficient, n'est-ce pas, de cette promotion. Et c'est le lieu. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit la dernière fois et qui souhaiteraient distribuer nos produits. Ils sont les bienvenus. Nous sommes d'ailleurs en temps de promotion. Donc, l'occasion fait le larron, il faut la saisir. Où est-ce qu'on peut trouver les bouteilles champignons ici au Bénin? Au Bénin, on peut trouver les boissons champignons à Calavi, à Porto Nouveau, à Cotonou. Mais la personne peut prendre attache également avec moi et puis on va gérer. Donc, je vous lis le reste des autres messages. On a où peut-on trouver champignons au Ghana? Où peut-on trouver champignons à Vaughan? Voilà. Voilà, tout ça là, je peux avoir, comment dirais-je, je peux échanger laissez avec la personne. Laissez votre numéro en fait, voilà. Eux ils vous contactent et que justement, vous les dirigez. Justement. D'accord. Alors, bonjour, est-ce possible qu'il nous donne, ah c'est compliqué, le portable ne veut pas que je lise votre message, un peu de détails sur le champignon en question avec lequel la boisson est faite. Je pense qu'on le retrouvera et là il reviendra pour vraiment dire, parce qu'il y a plusieurs sortes.
de champignons et on dira vraiment quel est le champignon qui est utilisé. Bon, c'est pas un secret par hasard? Non, pas du tout. C'est pas un secret, c'est un ingrédient phare, les champignons. Et le type de champignon qui est utilisé pour nutrir BC, c'est Ericium. Hein. C'est le champignon de la mémoire. Vous pouvez aller sur Google. Vous tapez, vous allez voir toutes les caractéristiques de Ericium, un champignon vraiment très intéressant. Mmh. Eh bien, merci infiniment. Ouf. Bon, je crois qu'il vaut mieux que vous preniez vraiment son numéro parce qu'on ne pourra pas tout lire. Vous avez plusieurs messages qui vous viennent depuis le Bénin. Il va laisser son numéro de téléphone, donc je vous demanderai d'être attentif pour pouvoir le retenir et ensuite contactez-le tout simplement. D'accord. Donc, je donne mon numéro, c'est ça? Oui. Alors, vous pouvez joindre Champizo sur le 98 53 41 23. Le 98 53 41 23. Et vous êtes servi. Donc, je rappelle que nous ne pourrons pas passer ce week-end hein, sans pouvoir prendre PC parce que PC nous aiderait à pouvoir éliminer d'abord les toxines alimentaires, également à renforcer notre système immunitaire, mais au-delà de ça, n'est-ce pas, à nous aider, à nous déstresser, à être relax et à être en bonne forme pour redémarrer la semaine avec beaucoup de force. Mm-hmm. Alors, plusieurs demandes selon leur pays, hein, où est-ce qu'on peut trouver, d'autres demandent où le trouver à l'intérieur, d'autres demandent même si la société Nutrisal peut faire des jobs de vacances pour les jeunes qui veulent apprendre comment composer tout cela. Vous avez le numéro 98 53 41 23. 98 53 41 23. Et sur ce numéro, vous contactez monsieur Léonce qui pourra donc répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, monsieur Léonce. C'est avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de BC. Hein? Bon, vous avez ramené deux bouteilles là. Comment on va faire pour les... Non, mais vous savez que Champizo et Dectar, sauf José qui parce qu'elle doit supporter, c'est le bon mariage. La société Champizo. Pardon. Sauf José qui paiera parce qu'elle doit soutenir la société Champizo. Donc, bon, ne vous en faites pas. Merci infiniment, monsieur Léon. C'est cette fois-ci, on va y aller dans Net Music. Tu donnes villa. Fonda Music. Yeah, pour ce que tu m'as fait. Wow, wow. Ma wélo, nous sommes même cobayade. Ma wélo, nous sommes si bédou mayade. Eh, adou yé me konoudou. Ape kaka. Eh, taye doum yé me podoyo. Ape kaka. Bonheur est beau, la joie elle est beau. Me regardez pas, c'est moi content beaucoup. Et adou mye me konoudou. Et taye doum ye me podoyo. Bonheur est beau, la joie elle est beau. Me regardez pas, c'est moi content. Je viens d'en bas, galère à fond, je suis vivant. Je viens de loin, j'ai la santé, je suis content. Le temps racontera, le temps te dira. Je suis là, je vis, mon neurone te dira. Ya 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 ba, ya dira ya. Ma wélo, nous sommes en mako bayade. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ma wélo, nous sommes si vélo mayade. Eh oh. Eh, adou mye me bon nourou eh. Ape kaka. Taye dou mye me podoyo. Ape kaka. Bonheur est beaucoup, la joie elle est beaucoup. Ape kaka. Moi regarde passer, moi content beaucoup. Ape kaka. Carlos Bancrou oh, oh. Tamakim Tutu Karim Malaika na, 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 na. Ce beau présent je le voyais en tout temps. Ce rêve d'enfant de bout en bout pas confiant. Y en a qui se demande pourquoi je brille tant. Et tu réponds c'est la main du tout puissant. Et laissez-moi chanter ma joie ma ouais ma wello. Ma la tira ya la la blonde ma ouais ma wello. Et ma ouais ma wello. Adoum ye me bonourue. Oh 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 oh. Ayedoum ye me podoyo. Bonheur est beaucoup, la joie elle est beaucoup. Ma regarde dépasse, moi content beaucoup. Adoum ye me bonourue. Adoum ye me bonourue.
marier, pour mon mari, pour mon boulot, pour ma guérison, pour industrie. Akwe Kaka de Dieudonné Willa, oui, hein, pour dire merci à Dieu qui nous donne encore la grâce d'être ensemble. Aujourd'hui, nous sommes avec le dernier quart de tour de Nectar de ce matin dans Net Music, avec deux fortes personnalités, je n'en dis pas plus pour le moment, on va laisser M. Elias nous planter le décor. Alors voilà Isha, comme tu l'as dit, nous sommes avec deux fortes personnalités, et non des moindres, déjà avec un très grand guitariste qui est avec nous, M. Joël Wandem Kambaté, à qui on dit déjà bien arrivé, bonjour. Donne son petit nom pour qu'on sache en même temps c'est qui. Ah, Joël Azetor. Voilà. Pourquoi Azetor? Il faut garder ça sur Azetor là-bas, je reviens. D'accord. Alors donc, à part Joël, nous avons aussi Dieudonné Willa qui est avec nous, à qui déjà on dit bonjour, bien arrivé. Bonjour Elias, bonjour Nectar, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Oh, la voix. Même ça voix chocolat. Ça me rappelle lorsque je t'ai crêté. Lorsqu'on était crêté. Lorsqu'on était. Donc je t'en prie, quand tu vas introduire Dieudonné, merci de pouvoir avoir une voix aussi belle. Ta voix est trop rocailleuse ce matin. Je l'ai copié, en fait, c'est vous. À force de vous entendre parler. Envoyez pour m'attraper, je m'envole. Dieudonné, oui. Non, mais sérieux. Franchement, pourquoi on va connaître mon côté de l'autre côté là. Donc, je reviens en étant classe. Merci, mes chers invités. Ravi de vous avoir sur le plateau. Qui a ri en haut là-bas? Melka, si c'est toi qui a ri, ça va me faire mal. Melkichou, tu es mon. Non, je suis sûre que ce n'est pas Melka, ce sont les envieux en haut là qui rigolent. Alors, comme l'a dit Dieudonné Willa, bien sûr, on est sur le plateau avec Dieudonné Willa et puis Joël Azetor. Et donc, tout à l'heure, je vous demandais, monsieur Joël Azetor, Azetor, pourquoi en fait? Parce que Azetor, c'est. Oui, quelque chose se passe. C'est Victor qui a ri. Azetor, chez nous, on dit sorcier. Alors. Oui, en fait, ce nom, je ne me le suis pas donné. Je veux dire que c'est Toto Patrick qui me l'a flanqué un jour. Il était passé au studio pour un boulot vite fait, et en quelques temps on avait fini le boulot, et si je me rappelle bien, c'était son morceau Pardonner pour la paix, et c'est depuis ce temps qu'il m'a surnommé Azetor, et tout le monde l'a relayé, puis c'est fini. Le Azetor, je suis sûr que c'est, excusez-moi, je parlais comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Le Azetor, je suis sûr que c'est relié à votre immense talent quand même. Oui ou non? Oui, selon lui. Selon nous tous, parce que nous jouons tous du même instrument. Tout à l'heure, je vous montrerai ma dextérité. Oui. Cher Elias, nous continuons. Et parle bien. Oui, Jésus. Tout à l'heure, tu m'as montré. Alors voilà, donc c'est cet immense talent là que vous avez, qui vous a donc valu ce nom, de ce surnom d'Azetor. Parlez-nous un peu de votre parcours en tant que guitariste déjà. En fait, moi j'ai commencé un peu tôt. J'ai eu la chance de naître dans une famille de 8 personnes et tout le monde s'est mis à la musique. Je me rappelle, il y avait une école de musique au niveau de Amtivé. Et c'est là-bas que mes aînés, mes soeurs et mes frères ils fréquentaient. Donc j'ai un frère qui a fait la batterie, un autre qui a fait la guitare basse. J'ai une soeur, l'aînée, qui a fait la guitare. J'ai une soeur qui a fait le piano. J'ai une autre qui a fait l'accordéon. Et moi je m'étais inscrit à l'école pour le violon. Et malheureusement pour moi, l'école a vite fermé. Après juste eu un mois
après que moi je me suis inscrit, l'école avait fermé. Donc je ne pouvais pas, et puis ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir un violon, et surtout que c'est un instrument très rare. Donc je me suis rabattu sur la guitare qui traînait à la maison. Donc voilà, et c'est là que j'ai commencé à jouer. Et déjà à 10 ans, j'étais en fin de cycle primaire. Et il y avait mes frères qui étaient au collège. Ils avaient un groupe, un orchestre, ils devaient jouer et leur guitariste n'assurait pas. Et donc moi, comme je m'entraînais beaucoup à la maison, et le grand frère a proposé que je vienne les aider. Et voilà, c'est parti, c'était mon premier concert et voilà, jusqu'alors. Ouais. Donc vous vous souvenez de la première chanson que vous avez jouée lors de ce concert? Je me rappelle plus. Vous en souvenez plus? Quel dommage. J'allais chanter et vous alliez jouer. Sérieusement. Alors, quand même, jouer les États, c'est beaucoup d'expérience hein, déjà sur le territoire togolais et un peu ailleurs aussi. Oui, oui. Oui, j'ai joué avec. Je continue à jouer quand même. J'ai joué avec beaucoup d'artistes et j'ai accompagné beaucoup d'artistes. C'est vrai, j'ai beaucoup tourné aussi. Mais actuellement, je suis un peu en stand-by. Alors, Dieudonné Huila. Yep. C'est un nom qui n'est plus à démontrer puisque tu as déjà fait tes preuves ici sur le terrain musical. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené à la musique, Dieudonné Huila? Merci beaucoup. Permettez-moi de sourire. Ouais, non, mais souris. Ok, merci beaucoup Elias, merci à vous Nectar. Dieudonné Huila, la musique, bon, c'est depuis l'enfance. J'ai, dans un premier temps, dirigé ma première chorale quand j'étais tout petit, j'avais l'âge de 12 ans. Et c'était au centre des non-voyants de Palimé. Et puis, juste après, je me suis retrouvé tout de suite à Cara, où j'ai continué la direction de beaucoup de chorales et de groupes musicaux et tout. Mais bon, entre-temps, il y avait Fanga Music, à qui je dis bonjour déjà au passage, qui a tout de suite découvert mon talent et a cru en ce talent. Il s'est dit, bon, pourquoi ne pas l'aider et tout de suite, bon, ils m'ont foutu à Lomé. Ils m'ont foutu à Lomé et puis bon, c'est parti comme ça avec l'hymne aux éperviers en 2013 et Chemin tracé en 2014 et bon. L'aventure continue. L'aventure continue. Alors, je tiens à le préciser, Dieudonné Huila, et comme on le dit, on va se tutoyer, tu permets? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a la même voix, c'est normal qu'on se tutoie. Hein. Nous sommes des voisins de voix. Moi, je suis à Zetovi et nous avons à Zetog hein, sur le plateau. Aujourd'hui, il a resté ce que tu avais plusieurs messages qui arrivent, je voulais lire tout à l'heure. Mais Dieudonné Huila est dans la world music ou pas? Ouais. Dans la world. Eh, hey, je m'y connais. J'ai dit ça juste comme ça. Hein. C'est quoi la world music? Oh, toi, t'es quoi? Alors, la world music, c'est quoi? Bon. Comment je peux te dire? En tout cas, bon, selon moi, la world music, c'est juste la musique là qui me permet de m'exprimer mieux, de en fait, dire à tous ceux qui me suivent ce que je ressens, ce que je vis. Voilà. Et on a des messages, je vais en lire quelques-uns sur le plateau. Déjà des messages qui arrivaient même quand on avait démarré avec Akpikaka de Dieudonné Huila. Donc on a salué ces étrés du côté du Gabon. J'adore votre émission, c'est du kiff. Vraiment, j'adore cette émission, surtout les instants musique et le clip passé tout à l'heure. Coucou à la famille Nectar. C'est l'artiste Big Master depuis Congo Kinshasa. Je vous suis en direct. Bisous, c'est un. Bisson à bisson, c'est le seul mot qui me vient pour le moment. J'ai oublié un peu comment on dit merci. C'est pas matondo. Sambo matondo. Bolingo. Bolingo. Oh, c'est pour ça que toi tu es chassé là. Bref. Où? Je vais finir l'étude là maintenant. Trop de haut dans votre sang maintenant. Alors bonjour à toute l'équipe, salutations à Dieudonné Huila depuis Cara. Richard du foyer Jean XX1010 Jean 23. Oh, ok, waouh. Waouh. C'est moi, c'est ma maison. Donc. Ah ben voilà. Force à toi, grand frère Joël, que j'admire énormément. Dieudonné, ton nom dit tout déjà.
Alomé, salut à toi. Ton nouveau single est super de la part de Claude Voice. On a ce message qui vient depuis la Libye qui dit bonjour, c'est quand même le grand Joël Azetor, le plus grand, celui qui est le guitariste de King Mensa. C'est vrai? Info ou un temps, c'est vrai? Oui. Et mon guitariste, quand je vais chanter tout à l'heure, vous allez comprendre. Pardon, il faut dire un peu oui. Oui. Voilà. Et on l'embrasse fort. Oui, on le suit. Et c'est quelqu'un qui a un talent fou, qui nous joue quelque chose. Attendez, il va jouer. Alors oui, je viens confirmer que Joël Azetor est un talent. Pour dire vrai, Azetor en français, qui veut dire sorcier. Et en réalité, un sorcier, c'est un génie. Je prie fort que Nectar puisse vraiment faire la promotion de ce grand talent. Sois béni, mon frère, de la part de Arnaud. Merci à vous, mon cher Arnaud. Bon, il y a beaucoup de messages. On va revenir sur les messages tout à l'heure. Mais on ne peut pas avoir deux grands sorciers. Sorcier de la guitare, sorcier de la voix. La sorcière de la voix et de la guitare sur le plateau. Ah. Il ne va pas y avoir de son. Azetor, c'est pas... Moi je danse des... Non, en fait je vais plutôt, pour ne pas me mourir, dire que je suis Azetor de la danse. C'est parti. On fait quelque chose? Yeah. Yaoma. Yeah. Ok. Aïe. Permettez. Depuis ma naissance, on m'a toujours négligé, on me traitait de vaurien. Même parmi mes amis, je suis toujours évité, pour eux je ne valais rien. Toutes les filles m'ont rejeté, je vous dis qu'elles m'ont laissé. Elles disent que j'ai pas beaucoup d'argent, elles disent que je suis handicapé. Mais je pensais que Dieu m'avait abandonné, et je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé. Voilà, une nuit, Baba God m'est apparu en songe. Il me dit, mon fils, ce que je t'ai donné est pour toi une force, ils ne le savent pas. Bawa, mawena mubawa, chalembe bawa, mawena mubawa, bawa, mawena mubawa, chalembe bawa, mawena mubawa. Udia zaga lega batede, baba kadorododo. Mon Dieu a fait de la pierre jetée la pierre principale. Mon Dieu m'a relevé. Baba God m'a relevé. Tous ceux qui m'ont rejeté aujourd'hui me recherchent. Tous ceux qui m'ont humilié aujourd'hui me respectent. Et tous les temps quand moi je chante, les gens ont la chair de poule. Tous les temps quand moi je chante, beaucoup ont envie de danser. Et ça a dansé, tout le monde est bougé. Et ça va répéter, tout le monde est sauté. Bawa, mawena mubawa, chalembe bawa. Mawena mubawa, bawa. Mawena mubawa, chalembe bawa. Mawena mubawa. Il faut que je le dise, à chaque fois qu'il chante, ça me donne vraiment les larmes. Oui, elle pleure. Ouais, vraiment. Ah, chaude larmes. Non, mais c'est juste que c'est parce que c'est toi la seule femme que je vois au monde. Oh là. Mon frère. Il a dit en direct. Que mangeas-tu ce matin? Voilà, ça indique. Alors, il y a plusieurs messages. On a, ouh, j'ai la chair de poule. Merci. Mais ils sont deux grands artistes du Togo sur le plateau. Vivement qu'on brise la COVID-19 pour qu'on puisse les retrouver sur scène. Vous n'êtes pas des talents, vous êtes des génies. Merci. Et c'est un message qui vous vient depuis le Burkina Faso. Et on a, bonjour, s'il vous plaît, Joël n'a qu'à nous interpréter Redemption Song. C'est Bob Marley, non? Ouais. C'est parti. Ah non, on ne danse pas pour Bob Marley. Ah, ok, je me calme. Ouh.
Paris, yes, the robot. So that to the American chips, me this after to cut from the bottom lippy. But my hand was made strong by the all of Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Oh, to hear to sing these songs of freedom, to soar up forever. Redemption song, redemption song, redemption song. C'est là où j'ai bien gâté le concert. La voix de maman, la voix de maman. Alors, coucou à Joël Azetor, Gilbert Batteur. Alors, bonjour à tous, c'est la première fois que je vous suis, c'est extraordinaire, c'est grâce au pub de Naïda. Eh, merci ma chérie, tu fais pub. De la part de Adora, mais, et on a ce message, bonjour à vous tous. Alors, la personne demande, vous aviez un concert prévu en France cette année? Oui, je devais jouer avec un prêtre. Waouh. Mais à cause de Covid, c'est reporté sur l'année prochaine. Sur l'année prochaine. Eh bien, ne vous en faites pas. Comment ça? Nous tous, on va passer le test de Covid. Là, puis quand vous prenez, j'attrape la guitare, on monte ensemble dans l'avion. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est deux Azeto qui arrivent. Azeto, donc quoi, Azeto, vite. Bonjour. Bonjour Nectar, Dieu donné Willa, que Dieu te bénisse. Tu es un exemple depuis le Gabon. Merci infiniment. Alors la voix là, je pensais que c'est de l'ordinateur que ça sort. Non, mais c'est super. Chantez-nous un son d'Oli Big. Je ne dis rien. Je passe. Alors bonjour à vous depuis le Bénin, Azetor. Tu es vraiment un Azetor. Point barre. C'est Azetor dans le bon sens, hein, je vous en supplie. Et on a ce message qui dit merci beaucoup. Dites-lui que je passe lui offrir un. On ne va pas donner le nom de la marque de la bière là ce soir, et c'est de la part de Arnaud. En lui offrant ça, moi je ne bois pas beaucoup, je bois deux bouteilles de champizo seulement parce que j'étais dedans, vous n'avez pas reconnu ma voix. Alors bonjour à vous tous depuis la Côte d'Ivoire, Dieudonné Willa, ta voix est extraordinaire. Ma maman a pleuré de la même manière que notre belle Naïda. Que Dieu continue de t'élever. Ta voix est un instrument glorieux qui donne des frissons et qui bénit. Merci. Wow. Dieudonné me donne toujours la chair de poule et je m'encourage à toujours accompagner les enfants et jeunes handicapés de la part de Richard depuis Cara. Merci beaucoup. On ne pourra pas lire tous vos messages malheureusement. Hein. Bonjour s'il vous plaît. J'aimerais savoir si vous êtes madame ou mademoiselle. Moi-même, Azetor, vous comprenez? Azetor, oui. C'est Azetor. Alors, quelqu'un demande, il y a trop de messages pour bonjour, est-ce qu'il peut jouer du jazz avec sa guitare? Ça, c'est les fins gourmets. Non, gourmets, c'est ceux qui mangent fins, musiciens, fins, je ne sais pas. On peut milater bleu. En fait, moi, je suis guitariste, mais je ne fais pas trop du jazz et voilà. Je suis dans d'autres styles. Et je développe beaucoup le côté classique de la chose, parce que je fais un peu de classique à la guitare. Yes, donc, c'est parti. Thank you.
cherchez-moi et dites-moi si je suis encore ici. Non, tu es ici. Non, tu es là. Tu es là. C'est saigné. Ah, oui, c'est bien cela. C'est saigné de Bella Bello. Waouh. Ouais. Waouh, magnifiquement bien interprété. Wow. Merci. Comment on fait pour devenir comme vous, quand, à la guitare? Pardon? Comment on fait pour devenir un Azetor à la guitare? Oui, oui, oui. Là, en fait, vous savez, comme toute chose, dans toute chose, c'est toujours du travail. Et quand on a la chance d'avoir un peu de ce don, et ça part plus vite, quoi. Mais le gros du boulot, c'est travailler chaque fois, travailler. C'est ça. C'est le travail. Mmh. Alors, on a Bonjour Nectar, Dieudonné, j'aime toutes tes chansons. Quand tu chantes, j'ai les larmes aux yeux, Dieudonné, tu es beau. Et je. Il est marié. Ah. Et il a 4 enfants. Et tu veux donner. Alors, et je vous aime, c'est depuis le Gabon. Mais Dieudonné, oui, là, sans chemin tracé, ce n'est pas possible. Là. Il nous faut chemin tracé. Vous avez ôté les mots de ma bouche. Il faut tracer le chemin, mon frère. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie, mon chemin est déjà tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie, mon chemin est déjà tracé. Dieu savait ce que je serais. Il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant chemin tracé. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieudonné qui fonce. Chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieudonné qui fonce. Waouh, waouh, voilà Dieudonné qui fonce. Waouh, waouh, Dieudonné qui fonce. Merci. Il y a une profondeur dans sa façon de chanter. There is a profondeur. Tu traduis, c'est ça? C'est tellement profond, ça vient du cœur. Non, mais c'est pour ça que c'est un don. Bah, plusieurs messages arrivent. Je suis désolée, c'est le blackout avec le portable parce que ça tombe maintenant. J'en peux plus. Donc, c'est difficile de pouvoir lire tout. Je ne pourrais pas lire, mais sachez qu'ils reçoivent avec le cœur tous les messages que vous envoyez. Plusieurs disent. Mais quand c'est vrai, Dieu leur a donné, les gens sont assez tôt, mais ne m'oubliez pas dans ma passion. Pourquoi c'est seulement Dieu donné et puis je vois là que vous et moi qui suis en train de chercher à avoir une carrière de guitariste et de chanteuse. N'oubliez pas dans les compliments. Voilà. Alors, il y a tellement de messages en fait que je tiens déjà à dire mea culpa parce que nous sommes pas très loin de la fin, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. D'ailleurs, on ne pourra malheureusement pas tout lire, mais plusieurs demandent si Joël Azetor est un arrangeur et s'il forme, est-ce qu'il peut laisser son numéro parce qu'il y en a qui ont envie d'apprendre à jouer de la guitare comme moi. Oui, je suis arrangeur, j'ai un studio d'enregistrement, j'enregistre Kinmessan et Afiamala et tout. Je fais plus dans le live, donc voilà. Et bien que Dieu donne aussi. Oui, j'en risque, Dieu donne aussi. je donne le numéro. Vous pouvez appeler sur le 99 42 28 86. Oui, ne vous en faites pas, on va terminer en musique rapidement. 99 42 28 86. Et Dieudonné, si on a envie de te contacter, on touche quel numéro? Oui, on peut me joindre sur le 92 00 03 79.
92, il y a quelqu'un qui a envoyé un message tout à l'heure. Il dit, c'est moi, je travaille avec lui au studio de Junior. Et puis là, il m'a oublié là. Dieu donné. Dieu t'a donné beaucoup de choses. Hein? Non, il n'y a pas donné l'oubli. Il n'y a pas oublié. C'est pas un oubli, non. Avec ça, on ne peut jamais oublier. Hey! Ambassadeur. Ouais, ma bouteille. Pour envoyer à Dieu donné. Allez, on va terminer en toute beauté. On a envie de vous souhaiter à vous, chers amis téléspectateurs qui nous suivez, de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de la télévision togolaise. C'est le week-end qui démarre. On remercie toutes les équipes qui ont travaillé avec nous depuis lundi et surtout notre belle Melkichou qu'il voulait chasser, qui ne peut plus chasser parce que lui-même est devenu une proie. Melki et toute l'équipe là-haut, on vous aime, on vous embrasse. Merci à Sandra, à José, à toi, Manaïda, à Mister Elias, merci. Je rappelle le numéro pour Dieu donné, 92-00-03-79, 92-00-03-79. Et pour mon collègue et jumeau, Monsieur Azeto, 99-42-28-86. Pour notre très jeune coordinateur, on lui souhaite également un très bon week-end. Et on se retrouve lundi matin. On y va avec une dernière prestation. C'est parti. Désolé. Non, mais on improvise. D'accord, ouais. On improvise. Okay. Bon, le sorcier des arrangeurs va balancer un truc. Et bon, moi, je ne fais que... Je suis. Ce matin du vendredi, je me suis réveillé avec beaucoup de plaisir, beaucoup de force, beaucoup de fun, beaucoup de joie. Et comme si ça suffisait pas du tout, Nectar m'invite sur la TVT. Je suis très content d'y être afin de partager beaucoup de choses avec mes fans. Nectar, merci, happy, thank you. 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 Vous donnez plus de bonheur, vous donnez beaucoup de joie à tout le monde. C'est pour nous un plaisir d'être toujours branchés, vous écouter. Merci, merci, merci à la ballet, thank you. À vous, we love you, the sun me, milomi. Nectar, merci, happy, thank you. 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 Tu veux la bonne humeur, c'est Nectar. Yeah. Tu veux avoir 30 feux, c'est Nectar. Yeah. Tu veux avoir 32 feux, c'est Nectar. Oh. Tu es moi sur la télé, c'est Nectar. Tu te sens un peu stressé, c'est Nectar. Tu veux donner de la bonne humeur, tu veux pas de la bonne humeur, c'est Nectar. Hey, Nectar, merci, happy, thank you. Nectar, merci, happy, thank you. Nectar, merci. Happy, thank you. Nectar, merci. Happy, thank you. Nectar, merci. Happy.